Stéphanie, Montargis. Je fais du basket depuis l'âge de 3 ans. Je suis maman de 3 enfants et je suis également kinésithérapeute. Donc je m'occupe aussi de l'équipe de New Baby. Ça fait 4 ans que je m'occupe de l'équipe de New Baby maintenant. J'ai commencé avec, en coachant en même temps que ma fille Nina. Et donc je prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment très sympa. J'adore les enfants, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça donne beaucoup aussi d'énergie. C'est vraiment sympa. Basket depuis 33 ans maintenant et c'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi, ça a toujours été une passion. Je me suis arrêtée une petite année quand j'étais enceinte, mais c'était une année un peu difficile pour moi de stopper ça d'ailleurs. Et je m'occupe de l'animation, j'essaie de m'occuper un petit peu avec de l'équipe de Senior Filles. Et puis on va dire que mon but c'est de j'aimerais que les gens apprennent à prendre du plaisir comme j'ai pu le prendre au basket. Voilà, communiquer le plaisir de jouer au basket. Donc, comme je le disais, c'est vraiment pour moi important qu'ils découvrent le basket. J'ai presque envie de dire le sport en général, prendre du plaisir à se dépasser, mais aussi à découvrir le sport d'équipe, partager avec les autres. Et c'est aussi tous les exercices de coordination. Pour moi, c'est pas que jouer autour du ballon, c'est appréhender aussi la réception d'une balle, ne pas avoir peur du ballon, ne pas avoir peur des autres, respecter les règles. C'est vraiment une école de vie, l'école du mini-basket. C'est, je pense, très formateur pour les enfants. C'est dans la continuité un petit peu de la vie scolaire, mais c'est là aussi où ils peuvent se lâcher. Je les autorise à crier. Nicole est le premier rendez-vous pour moi, c'est l'inscription. Je trouve que c'est important que les parents ou que l'enfant fassent la démarche
même si parfois il ne reste que deux ou trois entraînements, parce que ça ne leur plaît pas, mais au moins ils ont essayé. Donc ça, c'est le premier rendez-vous pour moi qui est important, et puis si ça leur plaît, on continue. Ensuite, il y a le tournoi mini-basket de Noël, donc qui est vraiment un super tournoi pour les enfants. Moi, j'adore y aller, je me marre, parce que si je les vois courir n'importe comment, en dehors des règles, enfin, c'est vraiment le tournoi des enfants, et c'est vraiment sympa. Et puis, il y a les tournois aussi des autres clubs, celui de Bar-le-Duc, celui de Verdun. Bon, avec le Covid, ça a été un petit peu dérouté, tout ça, mais c'est des moments importants. Donc il y a aussi le tournoi de Noël mini basket qui se déroule le 18 décembre. Donc c'est tout l'après-midi. Il y a plein d'activités autour. Il y a également des crêpes, du chocolat chaud, tout ce que les enfants adorent, des bonbons, la venue du Père Noël à la fin que les enfants stendent et qu'ils attendent avec grand plaisir. Plaisir, ça, c'est cool d'aider les autres, surtout parce que ça se trouve, ça va devenir des grands joueurs en plus, ça on sait pas.